Le micro est rangé quelque part loin là-bas, je ne sais même pas où c'est. Myriam Berouel, bonsoir. J'avais besoin de dormir, je me suis bien reposé. Timfa Doumbia, bonsoir. Tatmiz. Raïm Ben Moussa Diomandé, Mohamed Bakayoko, bonsoir. Yassalade Pakom Nguessan, bonsoir. Esperancia Jobeza, bonsoir. Dora Evalon, bonsoir. Étoile d'État, bonsoir. Jawara Adama Stoki, bonsoir. Serge Anou Olo, bonsoir. Alors, j'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Salif Keita, c'est pas camarade de quelqu'un. Abiba Tiemtouré, bonsoir. Adia Touré, bonsoir. Bonsoir, Mam Diop. J'espère que tu vas bien. Adjarata Sankara, bonsoir. Ngoku, bonsoir. Yaka, donne-moi ton tricot là. D'accord, le damon au bain, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je vais te donner. Dupine Louzo, Louzolo, Dupine même, soyez. Anyway. Bonsoir, Diawara Adama Stoki. J'ai besoin de votre contact, s'il te plaît. Comment faire, mon président? Ben, mon numéro, il est sur ma page, Diawara Adama Stoki. Est-ce que tu as cherché un peu sur ma page? Est-ce que tu as allé un peu checker sur ma page? Tous les influenceurs ont un numéro sur leur page. Voilà. Tous les influenceurs. Voilà. Si vous avez besoin de parler à un influenceur, vous allez sur sa page, vous fouillez bien. Vous trouverez forcément un numéro de téléphone sur lequel vous pourrez les joindre par WhatsApp. C'est obligatoire. Conception, bonsoir. J'espère que c'est moins dosé aujourd'hui. Non, ce sera moins dosé même parce que... non, mais les gens sont pour pas. Toi, hein? Kala, Kaina, je ne peux même pas me reposer.
Hier, petit direct, il a fait, et puis il a dit, ça va se casser, tout le monde a chargé son téléphone. Là. Et les gens ont chargé leur téléphone jusqu'à ce qu'ils ont oublié d'enlever. Général de Apuchu, comment ça va, mon frère? J'espère que tu te portes bien aux Philippines, là-bas, mon frère. Nina Aridi, bonsoir. Magasino et Magasuba, bonsoir. Évitez d'écrire les choses ici, c'est pas important. Voilà, évitez d'écrire certaines choses ici. Il voilà. Y a une affaire grandiose sur la toile. On ne peut pas laisser une affaire aussi grandiose comme celle d'Emma pour traiter les petits dossiers en carton. Coucou ma soeur wakatologue, comment ça va? Et du coucou mon frère Yaka, c'est ton direct que j'attendais depuis ma position. les gens ont entendu ce direct là, hein? On peut attendre direct comme ça. Il a dit mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Oh. Je vais dormir, vum, vum, vum. À quelle heure tu fais ton direct? Vum, vum, vum. Il a dit, souhait. Est-ce qu'il y a urgence pour faire direct? Ah oui, mais nous on attend ton direct. Il a dit, mais moi, écoutez, moi je travaille. Les gens qui vocifèrent sur les réseaux sociaux à tort et à travers, là, ils n'ont rien, on n'a pas les mêmes problèmes. Moi, j'ai un travail. C'est un travail qui incombe beaucoup de responsabilités. Voilà. Je tiens des vies toute la journée dans Paris. Je tiens des milliers de vies en main. Donc, ça fait que j'ai trop de responsabilités pour passer mon temps à faire des lives. C'est pas possible. Donc, quand je rentre comme ça du boulot, là, je suis épuisé. Parce que ça demande beaucoup de concentration. Déjà, même pour conduire ta propre petite voiture dans Paris, là, ça demande trop de concentration. Alors que, tu imaginez un bus. Oui, un bus. Il y a des bus standards, là. Les bus standards, ils font 12 mètres de long. Et les bus articulés, c'est-à-dire deux collés, là, ça fait 18 mètres. Donc, quand vous êtes même derrière dans le standard, là, même, c'est pas simple. Après, il faut le dans articulé et tout ça, là. C'est pas simple. Tu as besoin d'être concentré. Tu as besoin d'être là. Tu as besoin de dire que toutes tes facultés doivent être en place. C'est-à-dire que tout doit être aux aguets. Toutes tes antennes doivent être comme ça. Tu dois avoir des yeux partout. Tu dois avoir des yeux dans les rétros, dans les déports, dans tout. Parce que vélo peut quitter quelque part là-bas, venir pendant que tu es en train de tourner. Tu vois, le balai va tomber, c'est tourné, tu as eu. Quelque chose. C'est-à-dire que tu dois être très concentré. Et quand tu rentres de ça, et comme je vous l'ai dit hier, là, il y a ça et puis il y a les odeurs des gens. Oui, moi, les odeurs, ça me fatigue. J'ai horreur des mauvaises odeurs. Il faut qu'on se dise la vérité. Surtout qu'un être humain sent mauvais, je ne peux pas comprendre. Anyway, chacun est comme il est. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un s'il sent mauvais. Voilà. Donc, ça me demande vraiment beaucoup de concentration. Et donc, ça fait que quand je rentre, surtout quand tu fais ça 6 jours sur 7, hier, c'était mon 6e jour de boulot. Je ne peux même pas vous dire comment je suis arrivé chez moi ici. Je ne sais même pas avec quel sorate je suis arrivé chez moi. Parce que quand je finissais, il était 2h et quelques. 2h et quelques, il faut rentrer le bus au dépôt. Il faut récupérer ma voiture. Il faut rouler jusqu'à chez moi. Il est 3h. Tu arrives, il faut prendre une douche. Si tu peux grignoter quelque chose, tu grignotes et tu te couches. Il est 4h. Vous pensez que j'allais me lever à 6h pour faire direct? Non, je ne vais pas me reposer. Prends mon temps pour me reposer. Parce que j'ai besoin de ça. Ma santé va prendre un coup. Pourquoi? J'avais besoin de me reposer. Et les gens sont dans mon téléphone. Oui, on attend ton direct. Il faut porter un masque parfumé. Oui, j'ai des masques. On nous donne des paquets de masques. J'ai des masques. Et puis, j'ai un déodorant aussi. J'ai un désodorisant. J'ai ma bombe de désodorisant. Là. Tout le temps, je bombe. À chaque fois, quand il y a une odeur quelconque qui arrive, que je commence à pomper mon désodorisant dans la paix du Seigneur. Pour être en paix, parce que sinon, c'est pas possible. Sinon, c'est pas possible. Partagez le direct. Tes boîtiers, ils sont là, hein, Yaka. J'ai pas encore pris de Wi-Fi, pardon, pâle. Hey, comment t'appelles? Ange Déborah. Tu n'as pas pris de Wi-Fi, ben, tu attendras de prendre Wi-Fi, là, et puis tu vas venir suivre mon direct. Parce que moi, je prends mon temps. Il n'y a pas d'urgence, hein. Yaka, le numéro du bus, je passerai te faire un coucou. Le numéro du bus, ben, je fais 16 lignes de bus dans Paris. Donc, ça va être compliqué que tu me retrouves. Je fais 16 lignes de bus. Donc, imagine. Je fais 16 lignes de bus dans Paris. C'est-à-dire qu'un jour, je suis sur telle ou telle ligne. Le lendemain, je suis sur une autre.
un autre jour, je suis sur une autre. Ça fait que je fais toute la majorité des lignes de bus de Paris, je fais. Donc, je ne peux pas te dire exactement parce que aujourd'hui je peux faire telle ligne et demain, on me met sur une autre ligne. Enfin, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, si tu tombes sur moi, alhamdulillah. Sinon, je ne peux pas te dire demain, je fais telle ligne et puis finalement, demain, quand j'arrive, on me dit finalement, tu devrais faire cette ligne, mais finalement, comme s'il y a un service qui n'est pas couvert, il faut aller le faire, tu vois. Donc, c'est pas évident. La vérité vous affranchira. Il y a deux justices dans ce monde. Alors, mais il y a une justice où il n'y a ni avocat, ni blogueur, ni fan. Justice pour Touré. Bon, Bamba Mustapha, franchement, tu es libre de soutenir M. Touré. Parce que M. Touré aussi a droit à être soutenu par des gens qui croient en ses dits et en ses preuves. Voilà. M. Touré a le droit d'être soutenu. Mais je souhaite vivement, si tu ne veux pas te voir bloqué sur ce live, d'aller soutenir M. Touré ailleurs. Voilà. C'est avec beaucoup de politesse et de gentillesse que je vous le demande. Voilà. Je n'ai pas envie d'être mal poli ni grossier ce soir. Voilà, je me suis bien reposé, voilà, j'ai bien mangé, donc j'ai lancé mon direct dans la paix du Seigneur. Les gens m'ont laissé messages partout, partout, plein de messages, mais tu fais ton direct à quelle heure? Nous, les Quatiers, on assis, on attend, j'ai dit attendez, attendez, quand on a besoin, quand on a besoin du bus, on se rend à l'arrêt et puis on attend le bus, c'est pas le bus qui t'attend, donc vous m'attendez. Je vais te chercher sur toutes les lignes. Chaud, c'est les vacances, j'ai le temps. Ok, Yaya et Biadine, en tout cas, courage à toi parce que tu auras du boulot. Dans Paris, là, c'est pas facile. Tu as une très belle dentition, Yaka. Merci. On te pensait très logique, mais dommage. Ben, Awa, c'est Nessar. Tu me croyais logique, mais c'est dommage, ben, ma chérie. Je ne suis pas obligé de dire les choses tout le temps comme vous le souhaitez. C'est ça aussi, la liberté d'expression. Tu vois, tout le temps quand je dis des choses qui vont dans ton sens, là tu me trouves logique. Peut-être pour une fois que j'ai dit quelque chose qui ne va pas dans ton sens, tu ne me trouves pas logique. Tu vois que tu n'es pas, c'est toi qui n'es pas logique en fait. En fait, tu voudrais que je dise les choses tout le temps que toi tu souhaites entendre de ma bouche. Mais non, ce n'est pas possible. Ça sera pas possible. Si pour ça, tu me trouves pas logique, ben, c'est tant pis pour toi. Voilà, c'est tant pis pour toi. Moi, je ne vis pas selon toi. Moi, je vis selon mon raisonnement et ma logique à moi. Je ne vis pas selon toi, ton raisonnement et ta logique. Ton raisonnement et ta logique ne sont pas les miennes. Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a un problème et que je ne parle pas dans ton sens que pour toi, je ne suis pas logique. Tu vois ou pas? Je t'aime trop, Yaka, dans la paix du Seigneur. Merci, Nessa Koulibaly. Merci. Indrid As. Merci. Pourquoi les gens ont du mal avec la contradiction? Franchement, les gens ont beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas les choses de la même manière, c'est qu'automatiquement, toi, tu es bête, toi, tu n'es pas bon, toi, tu es méchant, toi, tu... Enfin... Je traite de tous les noms. Mais on ne verra pas les choses de la même manière. C'est pour ça que, sinon après, tu n'as pas de personnalité. On ne peut pas avoir un comportement grégaire. C'est-à-dire que, parce que tout le monde s'en va dans un sens, il faut qu'on suive la troupe. Non, à un moment donné, on a un raisonnement. On a un cerveau. Dieu nous a tous dotés d'un cerveau pour nous permettre justement de réfléchir, d'analyser les situations. Et puis trouver, avec toi-même ton intelligence, avec toi-même ta culture générale, comprendre certaines choses. Sans suivre quelqu'un. Regarde par exemple là, on est en train de. Léa m'appelle pour dire, mais oui, ta petite Aya, elle défend M. Touré. C'est à partir de là, mais vous devez comprendre qu'effectivement, on peut avoir des divergences d'opinion vis-à-vis des situations. Aya n'est pas pour ce que moi je pour ma vérité. Ce que moi je trouve logique, c'est que c'est Emma qui a raison. Mais Aya n'est pas pour ça. Donc elle défend M. Touré. Mais cela n'impacte en rien notre relation de grand frère à petite sœur. Parce qu'on est tous majeurs vaccinés et responsables de nos actes. Voilà, et de nos propos. Aya, c'est vrai, c'est ma petite sœur, mais elle est grande.
C'est la maman de Kilou. Donc, elle dit ce qu'elle pense être sa logique. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais moi, je ne suis pas pour. Donc, on ne te suit pas de façon grégaire. Voilà. Moi, je trouve que ce monsieur... mettez les cœurs et puis partagez le direct. Le direct n'en est pas assez partagé. Je ne suis pas d'accord. Comment vas-tu, mon frère général Golibi? J'espère que tu vas bien. Voilà. Elle est libre. Je ne veux pas dire parce que tu ne suis pas ce que moi, je soutiens. Donc, ça veut dire que tu es mauvaise. Non. Elle a ses raisons. Elle sait pourquoi elle croit en ce que ce monsieur-là lui dit. Moi aussi, je sais pourquoi je crois plus en Emma Louès qu'à ce monsieur. Selon moi, le monsieur n'a pas raison. Parce que comme je vous l'ai dit hier, les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et tout ça, ce n'est pas un tribunal. Je suis désolé. Pour un problème aussi grave, comme il veut le faire croire, parce que quand tu t'en vas filmer une maison... avec beaucoup de bouteilles de champagne, avec des oiseaux morts là-dedans, avec de la poussière à gauche et à droite, pour mettre les gens dans l'émotion, c'est-à-dire que pour prendre les gens en sentiment. Mais faut pas oublier de filmer aussi l'autre bâtiment qui est en train d'écraser l'autre bâtiment. Parce que moi, c'est ce que je n'ai pas compris. Parce que dans toutes les vidéos qu'on vous a montrées, pour vous mettre dans l'état dans lequel vous êtes là, pour vous faire croire que c'est Emma Louès qui n'est pas bonne, pour vous faire croire que c'est elle qui détruit les biens des gens, mais il a omis de filmer l'autre côté. Pourquoi? Le bâtiment qui est tombé là, vous trouvez ça normal? Vous trouvez qu'on construise une maison qu'on prétend louer à des êtres humains qui vont habiter dedans et puis que la maison tombe? Ce n'est pas un château de cartes. On est d'accord? Ce n'est pas un château de cartes. Une maison ne doit pas tomber. Si une maison tombe, c'est qu'il y a eu problème à la base. Il y a eu problème à la fondation. Hein? Et puis Facebook n'est pas un tribunal. Venez s'asseoir sur Facebook pour dire, mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. Pourquoi il ne va pas porter plainte s'il estime qu'il a raison? S'il estime que c'est Emma qui est en tort, pourquoi venir avec toi sur les réseaux sociaux? Sommes-nous des juges? Sommes-nous des avocats? Non. Faut qu'il aille. Faut qu'il se dirige vers les autorités compétentes pour gérer ce dossier. Lorsqu'il signait le contrat de bail avec Emma Louès, nous n'étions pas là. Ça, c'est une certitude. Nous n'étions pas là. Voilà. Quand Emma Louès lui payait les loyers, et avant même de payer les loyers, quand elle lui donnait les 13 millions de caution, et il a apprécié ça avec beaucoup de plaisir, sans venir le déclarer sur les réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un l'a vu sur Facebook en train de venir dire, wow, sortez où, partagez le direct, j'ai loué ma maison à Emao, elle m'a donné caution 13 millions, voilà ça. Quelqu'un l'a vu quelque part? Est-ce que quelqu'un l'a vu quelque part? Non. Nous, on n'a pas vu. Quand elle payait le loyer régulièrement, il a dit que lui n'a jamais donné l'autorisation de modifier sa maison. Mais après les voix que nous avons tous entendues sur les réseaux sociaux, c'est le monsieur même qui donnait les modèles de... lui-même il donnait des conseils pour qu'on modifie la maison. Pourtant, il a bien dit. Alors, elle dit, le bâtiment tombé est un antécédent que le monsieur a avec un autre. Emma n'a nulle part mentionné que la maison tombée, désolé, défend la vérité, pas la personne. Mais Awa Séné, vu que toi tu es une avocate réputée pour défendre les dossiers de ce genre, prends le monsieur, attrape-le par la main, allez-y au tribunal, il faut lui donner les idées, vu que toi tu es une bonne avocate. Hein? Il faut le ramener chez qui de droit. S'il ramène sur Facebook, nous, on va défendre avec notre logique. Nous, on ne va pas suivre vous, votre logique, Awa Séné. Je te le répète une deuxième fois. Ta logique n'est pas la mienne. Je ne sais pas si on se comprend. C'est comme toi, tu es forte dans ce genre de défense de dossier-là. Hein? Prends le monsieur, attrape-le par la main. Va avec lui chez qui de droit. Et puis, donne-lui les arguments pour défendre. Un bâtiment qui tombe, vous allez me dire que c'est un antécédent qu'il a avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'un bâtiment doit tomber déjà? Emma Louès, quand elle payait les 1 300 000, c'était pour
C'était pour exploiter les deux bâtiments et non un seul bâtiment. Je suis désolé. Quand elle payait les 1 300 000 francs, monsieur, par mois, c'était pour l'exploitation des deux bâtiments. Le spa, l'autre côté, les produits et salons de coiffure qu'on sort, l'autre côté. Et quand le bâtiment est tombé, vous n'allez pas me dire ici que quelqu'un va louer une maison qui est en train de tomber et on ne prévient pas le propriétaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que même pour changer les carreaux, elle a prévenu le propriétaire. On a tous entendu dans les voices. Il y avait des carreaux marrons que d'après lui-même qu'il avait ramenés. Mais on discute, je donne mon avis. Oui, tu donnes ton avis, mais j'ai l'impression que tu penses que c'est... Moi, c'est ma logique aussi, je donne. Moi, ma logique n'est pas ta logique. Donc, tes avis que tu donnes là, je souhaiterais vivement que tu ailles les donner là où on défend M. Touré. Parce que sinon, on ne va pas le défendre. Moi, je ne vais pas le défendre par rapport à toi parce que j'estime qu'il n'a pas raison. Voilà, j'estime qu'il n'a pas raison. Je signe et je persiste. Et rien ni personne ne pourra me faire changer d'avis. Rien ni personne. Je ne suis pas en train de défendre Emma. Je dis que Facebook n'est pas un tribunal. L'acte du monsieur n'était pas... Il n'était pas venu chercher... comment on appelle ça? Il n'était pas venu faire justice pour son bien. Il est venu juste salir la réputation de la dame. Et ça, pour moi, c'est immonde. Ça me donne la nausée. C'est immonde. Ça, il faut que tu le saches. Très cher. Il n'est pas venu faire, comment on appelle ça, il n'est pas venu chercher, le monsieur n'est pas en train de chercher, comment on appelle ça, à trouver une solution pour le problème. Il est en train de chercher à salir Emma. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Je ne sais pas. Avait-il des intentions? Avait-il des intentions vis-à-vis d'Emma? Je ne sais pas. A-t-il eu un besoin inassouvi? Je ne sais pas. Donc, je suis désolé. Quand on veut se faire justice, surtout quand il s'agit de biens immobiliers, Facebook n'est pas un tribunal, ni chez les huissiers, ni je ne sais quoi. Il n'y a pas d'avocat sur Facebook ici. Qu'il aille chez qui de droit. S'il vient sur les réseaux sociaux, c'est juste dans l'intention de la salir, ternir son image, pour la faire passer pour la fille sale qui dégrade une maison pour partir. Mais de vous à moi, quelqu'un peut payer pour caution 13 millions une maison. Une maison qu'on paye la caution déjà à 13 millions. Il faut savoir que ce n'est pas pour s'amuser là-bas. Une fois qu'on a payé caution 13 millions, on ne s'est pas arrêté là. On a changé les carreaux de la maison. On a même changé les plafonds. On a entrepris des travaux de millions. Est-ce que vous pensez vraiment, de vous à moi, que c'était pour s'amuser? On va déprendre l'argent comme ça pour jeter dans une maison de quelqu'un pour aller jouer marraine dedans? Non. Elle a investi trop d'argent pour se lever comme ça, pour laisser ça aussi dégradé. Je suis désolé. Mais même que tu as donné 13 millions déjà comme caution là, et puis tu as investi, mettre des trucs, des portes en baie vitrée, mettre, changer les carreaux, enlever les carreaux sombres qu'il a mis parce qu'il n'a pas de goût là, pour remettre des carreaux blancs à l'image d'un spa, hein, pour que le coin soit éclatant, clair, joli, bien propre, pour que quand ses clients viennent, ils se sentent dans un endroit luxueux là. C'est pour venir s'amuser. Payer un loyer de 13 millions, 1 300 000 par mois. Est-ce que c'est pour venir jouer? C'est pas pour venir s'amuser? Mais si on se rend compte qu'il y a un côté de la maison qui est en train de tomber. Sachez une chose, c'est que Emma Louest travaille là-bas avec les enfants des gens. Dans ce bâtiment, dans ce lieu-là, elle employait des gens qu'elle payait par mois. C'est-à-dire que hormis le loyer à 1 300 000, elle payait les services de ses employés. Tous les mois. C'est-à-dire que les enfants des gens quittaient chez eux pour venir travailler là. Les gens quittaient là-bas, c'est-à-dire que les clients quittaient chez eux pour venir faire des achats là. Et la maison est en train de tomber. Je touche du bois. Si la maison était tombée, c'est quelqu'un là-bas. C'est vous qui allez vous asseoir sur Facebook ici pour dire que Emma Louest a sacrifié quelqu'un pour devenir, pour avoir plus de notoriété. Vous serez les premiers à dire que Emma Louest a sacrifié enfant de quelqu'un là-bas. Heureusement, le bâtiment est tombé. Un bâtiment qui tombe sur un autre, ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Et le monsieur ne vient pas. On te dit, bâtiment est tombé, tu ne viens même pas pour trouver solution à ça. C'est la dame même encore qui a besoin de sortir l'argent, aller payer des frais, je ne sais pas comment vous venez bloquer, pour ne pas que le mal arrive. Donc, du coup, le côté est, comment on appelle ça, est fermé. Donc, elle exploite qu'un seul côté. Mais malgré ça, elle paye quand même le loyer des deux côtés.
La fille a été trop gentille. Pendant le Covid, ils ont demandé à tous les endroits étaient fermés, y compris le spa d'Emma Louès. Mais elle continuait de payer son loyer à 1 300 000 pendant qu'elle n'exploitait même pas le coin. Alors que le président avait demandé à ce que les bailleurs soient indulgents envers les locataires. Elle a toujours payé sans broncher. Tout le monde a vu, tout le monde est témoin. Il a eu inondation là-bas. Inondation, jusqu'à il restait un peu, les gens allaient, les employés allaient se mettre en maillot de bain pour nager. Tout le monde a vu les dégâts que ça causait dans le spa. Elle a réparé tout ça de sa poche, sans broncher. La fille a été trop gentille avec ce monsieur. Pour ne pas lui donner sa caution, il veut faire bras de fer à elle. Pour ne pas payer sa caution parce qu'elle demande à partir. Il sait que si elle est malheureuse, pas de là, il ne peut jamais trouver client comme elle pour prendre la maison. Lui-même, il sait ça. Il sait très bien qu'il ne va pas trouver une autre cliente comme Emma Louès pour louer sa maison à 1 300 000. Ce n'est pas possible. Et puis déjà, lui-même, là, quand il vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, en oubliant que lui-même, là, le bail qu'il a donné à Emma, là, c'est un bail locatif. C'est-à-dire que c'est un bail qui est, dans lequel il a indiqué que la maison est habitée. Et ce n'est pas, pour, ce n'est pas un bail à usage commercial. Je ne sais pas comment dire ça, mais anyway, chacun comprendra à sa façon. C'est-à-dire que le bail qu'il a fait, là, ce n'est pas un bail pour un lieu de commerce. C'est un bail pour, voilà, pour que quelqu'un vienne habiter. Donc, ça veut dire que dans le bail, là, le montant qui est marqué comme étant le loyer à payer, là, ce n'est pas ce que Emma Louès lui verse. Donc, il y a déjà du faux dans son affaire déjà. Baki Keita qui dit, Yako, s'il te plaît, arrête-toi-même. Tu sais que cette fois-ci, tu es dans le faux. Tu ne vois pas que tu tergiverses trop. Mon ami, c'est toi qui vois que je tergiverse. Sinon, je suis assez là. Je suis très lucide. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas de drogue. Tergiverser, la sécurité où? Si tes oreilles ont envie d'entendre que je tergiverse, ça c'est ton problème. Il faudra t'acheter des cotons-tiges. Ça sert à nettoyer les oreilles. Ou bien tu t'achètes de l'eau oxygénée, tu te renverses quelques gouttes dans les oreilles, ça va bien te déboucher ton tympan. Comme ça, tu vas mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Je tergiverse par rapport à quoi? Vous êtes de mauvaise foi et vous êtes sur les réseaux sociaux. Quand on dit quelque chose, parce que vous n'aimez pas une personne, vous refusez catégoriquement de voir la vérité. Mais ça c'est votre problème. Moi, je ne suis pas obligé de dire les choses que vous avez envie d'entendre. Il faut que ce soit clair. Quand tu tergiverses trop, je tergiverse, c'est toi celui qui entend que je tergiverse. Sinon, ceux, les autres là sont en train d'écouter, là. Je vois les autres commentaires. Comme tu refuses de voir la vérité, donc ce qu'il dit là, tu ne veux même pas entendre. Donc tu vois ça en mode tergiverse. C'est que je vais tergiverser jusqu'à la fin. Oui, je ne vais même pas te bloquer parce que pour que tu puisses me voir tergiverser. Et puis ça te fait mal. Parce que comme quand vous n'arrivez pas à atteindre le level de quelqu'un, vous devenez sorcier là. Quand vous n'arrivez pas à atteindre quelqu'un, arriver à quelqu'un à sa cheville, vous devenez sorcier en bris. Mais c'est pas comme ça que vous allez évoluer, hein. On n'évolue pas avec la méchanceté, la rancœur, la sorcellerie. On n'évolue pas comme ça. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais il faut être réaliste. Il faut voir les choses clairement. Moi, je suis pas, je peux ne pas aimer une personne, mais si la personne est dans la vérité, il y a dit non. Cette personne est dans la vérité. Pourquoi veux-tu que je défende quelqu'un qui n'est même pas sincère vis-à-vis de lui-même? Ce monsieur-là, il avait déjà construit dans un quartier résidentiel où il était interdit de construire des studios là-bas. Est-ce que tu es au courant de ça? C'est le même monsieur dont on parle. On lui avait donné un papier pour ne pas construire dans cet espace. Je suis fâché parce qu'il me raconte des conneries. Mais pourquoi tu es fâché? Parce que son commentaire m'énerve. Il a le droit aussi de me fâcher, non? Aïe, si lui trouve que moi j'étais tergiverse, c'est que moi aussi j'ai le droit de me fâcher. Ce monsieur-là allait construire sur un espace vert prévu pour, comment on appelle ça, prévu pour faire un parc pour les enfants. On lui a dit, monsieur, ne construisez pas ici. Il s'est entêté parce que sous prétexte que d'après lui-même il avait l'argent, il pensait qu'il était trop riche. Alors, quand les gens oublient que derrière un village, il y a toujours un autre village. C'est-à-dire que les gens oublient toujours que derrière les... Quand tu dis que mon village est loin, il faut te dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui habite, son village est derrière ton, pour toi, là. Voilà. Donc, il est venu construire.
Il n'a jamais venu sur Facebook pour montrer le papier qu'on lui a donné pour ne pas construire là. Il n'a jamais montré ce papier-là sur les réseaux sociaux. Et il a un voisin d'en face qui lui a dit, monsieur, ne construisez pas ça ici. Là. Nous sommes dans un quartier résidentiel. C'est une zone pavillonnée. C'est-à-dire qu'il n'y a que des pavillons. Vous ne pouvez pas venir construire des... Charles Toué, comment vas-tu? Vous ne dites, je reconnais mon tort. Vous ne pouvez pas venir construire des studios pour amener, quoi ici. Donc, on ne peut pas accepter ça ici. Et puis, il s'est entêté, il a construit. Il est resté assis dans le chantier là. Et puis, le monsieur a envoyé Caterpillar sous ses yeux pour lui montrer qu'il n'est rien. Ils ont rasé tout cassé sous ses yeux. Il est rentré dans le inbox de tous les blogueurs encore pour venir défendre ce dossier-là. Séné Kramba a failli laisser sa peau là-bas. Quand ça a chauffé là, il a fui pour laisser Séné Kramba dedans. Parce qu'il était en tort de A à Z. Mais quand il est venu nous présenter le dossier là, c'était comme s'il avait raison. Hein. C'était comme si on ne lui avait pas dit de ne pas construire là-bas. On lui a donné un papier même pour lui dire qu'ici là, c'est interdit de construire. Mais il a caché ce papier là et il est venu construire quand même. Pensant que quand il va finir de construire, c'est fini. Quand on va venir trouver que la maison est déjà construite, ça va rester. Mais ils ont cassé pour lui donner. Quand ils ont cassé là, il ne nous a pas dit qu'on lui a interdit de construire là-bas. Hein. Il avait nous faire croire que lui, il a tous les papiers, il avait l'autorisation de construire. Et quand il a commencé à construire, ils ont cassé. Il est rentré dans le inbox de tous les blogueurs pour qu'on vienne en parler, pour le défendre. Il n'est pas allé au tribunal pour régler ça. Tu dis que tu as raison sur un dossier et c'est toi qui viens sur Facebook pour sauter. Si tu as raison, il faut aller au tribunal. Quand tu as raison dans une affaire, là, tu t'en vas devant les forces de l'ordre, tu t'en vas devant les autorités compétentes pour aller régler ton problème là-bas. Nous, on n'est pas chose juge. Merci Pamela C. Nous, on n'est pas juge sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas venir avec un dossier aussi lourd, venir nous l'exposer et puis croire que nous allons te suivre comme des moutons. On a quand même des raisonnements. Chacun va raisonner, chacun va étudier le dossier, chacun va chercher à comprendre à sa façon. Et puis défendre ce qui est logique selon la personnalité de chacun. C'est vrai que les gens disent oui, toi-même tu es en Europe, quand tu as construit ta maison, ou bien tu as construit ta maison, si quelqu'un loue et puis fait ça comme ça. Hey, moi, je ne peux pas construire maison même d'IA qui va tomber. Je ne peux pas construire maison même d'IA qui va tomber. Maison où un côté tombe d'IA, là, c'est foutaise même d'IA à partir de là. Ça veut dire que le monsieur là-bas n'est pas bon. Et il paraît qu'on lui a dit que la maison là, la clôture là, où qui est tombée là, il était déjà prévenu par rapport à ça. Il n'a pas dit ça à Emma Louès. Et il avait fait croire qu'il n'était pas informé des travaux qu'Emma Louès effectuait dans la maison. Pourtant, moi, j'ai bien vu une annonce qui indiquait clairement sur les réseaux sociaux que le spa serait fermé pour des travaux. Ça a été affiché sur tous les réseaux sociaux. Et lui-même, il a dit qu'il suit Emma. Voilà. Quand il a pris les 13 millions, là, il était tellement content qu'il a commencé même à dire à Emma, comment est-ce qu'elle peut modifier? Et à chaque fois, il lui envoyait des voices. Et j'ai entendu dans l'un des voices dans lequel il disait à Emma que oui, tu sais très bien que je ne vais pas refuser si tu veux modifier. Tu as juste à me dire ce que tu veux faire seulement. Tu sais très bien que je ne dirai pas non. Mais il n'a pas dit ça dans ses lives ou bien il a fait croire qu'elle a tout modifié sans que lui ne sache. C'est ce qu'il est venu faire croire. Arrêtez d'être dans l'émotion pour défendre quelqu'un sous prétexte qu'il a dépensé l'argent pour construire une maison en château de cartes. Parce que la maison, si un côté est tombé là, ça veut dire que l'autre côté va bientôt tomber. Et on peut pas encourager l'enfant de quelqu'un à rester là-bas avec des employés et des clients. Imaginez un instant, moi, je vais m'asseoir là-bas pour faire ma pédicure. Et puis, maison tombe sur moi là-bas, ça fout là. Vous n'avez pas dit qu'il m'a envoyé un blogueur pour venir le tuer, pour devenir plus riche ou bien pour devenir plus influente. Vous allez vous acharner sur elle, sur Facebook, pour dire qu'elle a fait venir un blogueur là-bas pour venir le tuer. Pourtant, la petite fille, la jeune dame, elle est là, ma bon. C'est le monsieur qui a construit quelque chose vite fait pour prendre l'argent. Il a construit ça. Jonako pressé. Quand tu vois, c'est joli de dehors, mais en bas, là, il n'y a rien. C'est du sable seulement qui est là-bas. Avec de l'eau. Il n'y a pas ciment,
n'y a pas gravier, il n'y a pas béton, il n'y a rien. On est assis dans ça. Vous dites quelque chose, que Emma a enlevé la porte. Elle aurait dû enlever aussi les carreaux. Elle devrait partir avec les carreaux. Le monsieur, pour ne même pas donner la caution de la dame, il veut faire bras de fer avec elle. On le cherche pendant 3 mois, il disparaît, il rentre en brousse. Et 3 mois après, il revient comme par enchantement, comme une fée. Il vient s'arrêter pour dire oui. Il revient comme par hasard. Que pourquoi Emma n'a pas donné la clé au voisin chez qui elle allait prendre la clé. Mais est-ce que tu lui as dit d'aller donner chose? Est-ce que tu lui as dit d'aller donner? Faisant que tu lui as dit, donner l'autorisation en prévenant le voisin pour qu'elle aille chercher la clé là. Tu aurais dû faire la même chose. Lui donner l'autorisation aussi pour aller déposer la clé chez le voisin en prévenant le voisin. Mariam Kouyaté, elle dit pourtant je te sais très véridique. Je suis véridique, c'est ma vérité qui est là. Ça ne sera pas votre vérité aujourd'hui, je suis désolé, mais il en sera ainsi. Ma vérité d'aujourd'hui là ne sera pas la vôtre. Donc prenez ça comme ça. Tous les jours, ma vérité ne doit pas être votre vérité. Permettez-moi aussi de raisonner, d'être souvent, d'avoir une opinion différente de la vôtre. Voilà. Je suis très véridique. Et vous allez finir par me donner raison. Parce que ce monsieur-là, il était juste venu salir Emma. Il a voulu faire un bras de fer avec elle parce qu'elle a dit qu'elle quitte sa maison. Il y a inondation. Un côté de la maison tombe. La fille paye chose, 1 300 000 tous les mois. Est-ce que vous-même, vous allez accepter ça? Est-ce que vous-même, là, vous louez une maison, un bloc de maison, un côté tombe. On ne cherche pas à réparer ça. Et la fille continue de payer. C'est-à-dire qu'elle n'exploite plus les deux endroits. Parce que ce sont les deux endroits qu'elle exploitait qui lui permettaient de payer les 1 300 000. Ce n'est pas parce qu'on dit que tu es riche que tu dois prendre l'argent toujours pour jeter par la fenêtre. Ce n'est pas parce qu'on dit que tu es riche que tu dois prendre l'argent pour jeter par la fenêtre. La fille exploitait les deux endroits pour payer les 1 300 000. Mais à un moment donné, un endroit est tombé. Elle exploite qu'un seul endroit. Elle ne se plaint pas. Elle attend que vous venez réparer pour reprendre ses activités de l'autre côté. Ça ne se fait pas. Elle paye toujours les 1 300 000 sans se plaindre. Maintenant, elle voit que les choses n'évoluent pas. Elle a investi de l'argent quand même dans la maison. Et puis, c'est en train de tomber comme ça, comme rien. Mais elle va demander à partir ailleurs. Regardez le nouveau coin là. Où elle est là? Le nouveau coin qu'elle a pris là. Vous pensez vraiment que quelqu'un qui est nécessiteux, parce que c'est ce qu'on veut faire croire, elle a 7 mois de loyer impayé. Mais regardez le nouveau coin là. Si elle était vraiment misérable, comme on veut le faire croire, qu'elle a envie de... Est-ce qu'elle aurait les moyens de se retaper un nouveau coin comme ça? Sérieux. Elle aime son activité. Elle n'avait pas prévu de quitter là-bas. Mais certains problèmes l'ont obligé à quitter. Voilà un con qui me dit, va construire, quelqu'un d'autre va faire ça. Tu penses que même si moi je suis en train de construire, je ne suis pas obligé de venir vous étaler ça. Ma vie, c'est ma vie. Je ne suis pas obligé de venir te dire ce que je fais ou ce que je ne fais pas de ma vie. Ça ne te regarde pas. Parce que vous-même, là, une fois que vous êtes au courant de ce que quelqu'un fait dans sa vie, là, ça n'avance plus. Tellement vous avez des cœurs noirs. Vos cœurs sont noirs. C'est pour ça que Atebola Nord, là, quand ton cœur est noir, là, tu peux pas. Le malheur que tu souhaites à autrui, là, c'est ce qui t'arrive. Vous ne savez pas ça. Quand tu souhaites un malheur à ton semblable, il faut te dire que ta part de malédiction n'est pas loin. Oui. Quand tu es assis et puis tu es en train de penser du mal de ton prochain, là, le mal, là, Dieu te ramène ça. C'est un effet boomerang. Vous ne savez pas ça. C'est pour ça que vous êtes gris. Vous n'évoluez pas. Mais Atéakri sera pour comprendre que c'est votre mal, c'est votre méchanceté viscérale là. Qui vous met en arrière. Apprenez à aimer le bien des autres. Je ne les bloque pas, ils n'ont qu'à s'asseoir, elle leur dit deux mots de la même. Je ne peux pas les bloquer aujourd'hui là. Ça sera trop facile. Ils n'ont qu'à s'asseoir, elle les coiffouillasse et puis ils vont partir avec ça. Ils ne peuvent rien créer, ils ne peuvent rien me faire. C'est mon téléphone, c'est moi qui paye ma facture, je dis ce que je veux dedans. Je ne veux pas dire ce que vous attendez. Vous vous attendez à quoi? Qu'ils viennent m'asseoir pour soutenir ce monsieur là? Non. Vous allez attendre longtemps.
Je ne peux jamais le soutenir dans cette affaire parce que j'estime qu'il n'a pas raison. S'il avait raison, j'allais le soutenir. Si j'estimais qu'il avait raison, oui, j'allais parler en sa faveur. Mais j'estime que ce monsieur n'a pas raison. Pourquoi voulait-elle racheter donc la maison? Parce qu'à l'époque, elle ne savait pas qu'il y avait tous ces problèmes. Elle voulait racheter la maison parce que l'autre côté n'était pas encore tombé. D'accord? Elle ne savait pas que la maison était construite sur un seul mur porteur. T'as compris? Parce que façon que lui disait de modifier comme elle veut là. Elle s'est dit, mais pourquoi autant, au lieu de modifier la maison de quelqu'un comme ça de fond en comble, autant acheter la maison et puis c'est à moi comme ça, j'en fais ce que je veux. Mais elle ne savait pas dans quoi elle était en fait. Quand elle a commencé à savoir dans quoi elle était, elle a demandé à partir. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est vous qui êtes trop intelligent pour savoir que oui, va aller construire et puis patati et tralala. Vous savez s'il a construit dans ma vie ou pas? Vous pensez qu'il est venu vous étaler ça, vous des gougnons comme ça? Facebook qui est rempli de sorciers comme ça là. Hein? Les sorciers ont quitté le village, ils sont maintenant sur Facebook. La sorcellerie aussi, comment on appelle ça, a évolué. Tout évolue, non? Donc les sorciers aussi maintenant, ils ont quitté au village. Ils sont sur les réseaux sociaux aussi avec nous. Tu viens étaler ton bon truc sur Facebook là. T'inquiète pas, ça va rester cloîtré sur Facebook, ça va pas aller quelque part. Parce qu'ils sont beaucoup sur Facebook. C'est pas tous les yeux que nous regardent qui nous aiment. C'est pas tous ceux qui nous regardent là, qui nous applaudissent, qui font semblant même souvent de mettre des cœurs là. C'est pas eux tous qui nous aiment. Il y a beaucoup de gougnons dedans qui serrent leur cuisse sale là. Sur notre évolution. Ils veulent pas qu'on n'a qu'à évoluer. On n'a qu'à passer tout notre temps à s'asseoir sur Facebook à détruire son image. C'est ce que vous aimez. Après, pour vous asseoir, pour dire, hein, on avait dit, hein, quand il insultait les gens ici, là, hein, maintenant, regarde comme il est mort, c'est votre travail qui est là. On ne va pas vous donner ce plaisir-là. En tout cas, moi, je ne vais pas vous faire ce plaisir-là. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce monsieur est venu avec ce problème sur les réseaux sociaux juste pour nuire, juste pour salir, juste pour humilier la pauvre dame. Elle ne lui a rien fait. Elle ne mérite pas ça. Quelqu'un qui te donne caution 13 millions, ce n'est pas quelqu'un qui a envie de gâter ton bien. Je suis désolé. Quelqu'un qui est capable de sortir 13 millions de sa poche pour te donner comme caution, modifier la maison pour travailler, ce n'est pas quelqu'un qui est venu gâter ton bien. On n'a qu'à être franc, on n'a qu'à être sincère, on n'a qu'à se dire la vérité. Ce monsieur était malhonnête. Je le dis ici haut et fort. Ce monsieur a un mauvais fond. Un très mauvais fond, ce monsieur. Voilà. Il ne veut pas payer la caution de la dame. Il a commencé à mettre ça dans la marmaille. En temps, elle a été à bonne école. Ah oui, c'est l'une des petites du général Camille Makosso. Parlant du général Camille Makosso, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Il est tombé sur une vidéo dans laquelle il était assis sur le même banc que Denis Pacheco. Denis Pacheco, toi tu es parti chez général Makosso, tu ne l'as pas giflé pour moi. Tu ne l'as pas giflé pour moi avant de faire la paix à lui. Je suis assis, oh, je vois Denis Pacheco qui est là. Il regarde derrière, il voit tête de... Il dit, attends. Il a enlevé mes lunettes pour nettoyer d'abord. Il dit, qui vois-je? Comme Makosso Birey. C'est Makosso qui est assis derrière Denis Pacheco là-bas. Et puis ils vont parler pour causer. Pour dire non, qu'ils sont en train de faire une réunion, qu'ils sont venus parler pour voir qu'est-ce que les deux se reprochent. Tu devais l'engager d'abord. Avant de lui poser question d'abord. Parce que moi, s'il arrive là-bas, là, je dois l'engager avec le revers de ma main gauche. Tu ne veux pas laisser ça pour parler avec quelqu'un comme ça? Hi! Je vais en venir. Mais il ne s'agit pas de vous. Je pense que je vais faire un direct spécialement pour vous deux. Parce que c'est foutaise. Hey! Tout rendez-vous que vous vous êtes donné sur Internet, là, c'est pour aller vous asseoir sur le même banc pour vous caresser les cuisses. Vous vous foutez de moi ou bien? À tout rendez-vous que vous vous êtes donné sur Facebook, tous les nyangas, c'est-à-dire que tous les garants que vous vous êtes donné là, c'est pour aller vous asseoir. Je suis pour la paix. Je suis l'ambassadeur de la paix. Je suis même l'animateur de Je reconnais mon tort. Je suis même celui-là qui est le conducteur de la caravane de la paix. Mais le général Camille Makosso doit être chicoté copieusement avant de faire la paix à lui. On ne peut pas aller faire la paix à lui aussi facilement. C'est trop facile. Ah oui, moi j'arrive dans ses bureaux
Avant de lui dire bonjour, c'est un waclage immédiat. Avant toute chose, on doit nous ramasser à terre d'abord. Quand on a fini de nous ramasser par terre, là, maintenant chacun va venir mettre les boutons de sa chemise. Hein? Pendant que chacun est soufflé, maintenant on, a, si on nous donne de l'oblation, on boit. Puis maintenant on nous pose, on nous demande une nouvelle. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu allais t'asseoir dans le bureau de Magoso, et puis bras dans bras, pourquoi? Tu ne le gifles pas? J'en viens. Voilà. Ce monsieur n'est pas bien. Ce monsieur n'est pas bon. Ce monsieur est venu salir Emma Louès, croyant que tous les blogueurs allaient se mettre derrière lui pour salir l'image de la pauvre dame. Tu es parti filmer. Vous avez déjà vu où? Quand tu t'en vas louer une maison, là, quand tu t'en vas pour louer une maison, on vient faire l'état des lieux avec toi. On ne vient pas, l'agent immobilier ou bien le propriétaire ne va pas faire l'état des lieux tout seul. C'est impossible. On va faire l'état des lieux ensemble. Pareil, quand tu dois sortir de la maison, l'agent immobilier ou le propriétaire ne vient pas faire l'état des lieux seul. Il vient avec toi également pour faire l'état des lieux de sortie. Mais le monsieur se rend seul dans cette maison. Il s'en va filmer les endroits. On voit même dans les vidéos des oiseaux morts. Pensez-vous que Malouès aurait laissé un oiseau là-bas qui s'en est allé? Non. Pensez-vous que Malouès va tuer l'oiseau pour jeter dans la maison là? Les bouteilles de champagne, c'est normal. C'est une caviar. Elle a les moyens de s'offrir des bouteilles de champagne. Il y a quelqu'un qui dit, il va têter calvitie. Il va te têter avec sa calvitie. Moi, je vais gratter sa calvitie. Là. C'est-à-dire que j'ai attrapé sa tête et puis j'ai griffé. C'est-à-dire que j'ai gratté sa calvitie pour venir par devant. Et ça a fait comme périphérique. Trace qu'il y a laissé sur sa calvitie. Là. Ça a fait comme périphérique. C'est-à-dire que j'ai... Anyway. C'est Emma Louès qui a tué l'oiseau lorsqu'il pour jeter dans la maison. Le monsieur a une maison qui est fermée, qui est abandonnée, dans laquelle on a déménagé. C'est parce qu'il a refusé de donner la caution de Emma Louès qu'elle allait retirer toutes les portes. Elle a oublié de prendre les fenêtres avec et les carreaux. Elle devrait enlever les carreaux dans la paix du Seigneur pour partir avec. C'est trop facile. Je refuse de donner ma caution. Parce qu'il pensait qu'elle allait laisser tout ça là pour lui. Pour qu'il puisse exploiter ça avec quelqu'un d'autre qui allait venir faire du commerce là-bas. Mais à sa grande surprise, la dame est partie avec toutes ses baies vitrées. Elle a enlevé toutes les portes, toutes les fenêtres. Elle a enlevé. Il dit qu'elle aurait dû enlever les carreaux là comme ça, puis rassembler ça devant la porte pour lui donner. Elle devait casser tous les carreaux. Elle-même prenait comme ça. Elle enlevait les carreaux. Enlever tous les robinets de douche. Elle devait tout enlever pour lui donner. Comme ça, elle allait confirmer le code. Quand il est venu, et puis il a vu que tout ça, là, ça n'y est plus là. Ça lui a fait mal. Il a commencé à filmer les bouteilles. Commencé à filmer. Il filme tout, sauf le mur qui est en train de tomber de l'autre côté là. Il filme tout, hein. Il filme tout, qui est dans la maison là. Sauf, attends, tu as la caution de la dame, hein. Mais tu ne filmes pas la maison, l'autre côté qui est tombé là. Parce que ça, ce n'est pas à ton avantage. Donc, tu ne filmes pas ça. Tu filmes ce qui va mettre les gens en chose. Ce qui va faire que les gens vont compatir. C'est-à-dire que ce qui va faire que les gens vont être dans l'émotion pour te soutenir. Mais et le mur qui est en train de tomber pour écraser les enfants des gens là-bas, là, on en parle. Tu ne parles pas de ça. Tu vois comme si tu n'es pas là. Tu ne vois pas ce côté-là. Ça, c'est bouteille de champagne qui est assis par terre, là. C'est ça qui te préoccupe. Le mur qui est en train de tomber sur l'autre maison pour écraser la deuxième maison, là. Ça, on en parle. Tu vois comme si tu ne vois pas ça. Tu n'as pas filmé ça comme par hasard. Voilà où je trouve que tu n'es pas honnête. Voilà où je dis que tu n'es pas sincère dans ta démarche. Parce que si tu avais filmé aussi ce côté pour nous montrer, pour dire effectivement il y a ce côté-là, mais j'avais prévu de venir faire des réparations, on aurait dit, bon, peut-être que... Non. Tu ne filmes pas là-bas, hein. Tu filmes juste poussière par terre. Oui, quelques deux, trois portes de meubles de cuisine démontées et choses. Un oiseau mort au sol et quelques bouteilles de champagne. Ça lui fait mal parce que champagne, il n'en a pas bu aussi dedans. Tu sais qu'il te fait mal?
Mais elle a payé avec son argent. Elle a le droit de boire avec ses amis. Tu as filmé ce qui t'arrange. Yaya Ouattara, bonsoir. Ce qui ne va pas t'arranger là, ce qui même est plus grave là. Tu filmes pas ça. Maison qui est en train de tomber sur les enfants des gens. Quelque chose qui va tuer les enfants des gens là. Ça, tu parles de tout sauf ça. Bouteille de champagne, c'est normal. Quand tu t'en vas chez Emma, ouais, c'est champagne, on t'offre. Pour bien ouvrir ton gosier le temps que tu patientes, qu'on s'occupe de toi. Quand tu t'en vas dans ce spa là, on ne te donne pas de l'eau pour boire. On ne te donne pas petit café sans sucre qui va te donner nausée après. Ou bien qui va changer ton haleine. Après l'avoir bu. Parce que moi, je connais des gens, quand ils ont fini de boire café, faut pas trop te rapprocher d'eux pour parler. Quand ils te parlent, reste bien à distance. Oui, j'en connais. Hein. Surtout en hiver, il y a des gens, quand ils boivent café, faut pas t'arrêter trop à côté d'eux pour parler. Quand ils te parlent, prends tes distances. Ça s'appelle distance de sécurité. Parce que l'odeur qui émane de leur bouche, là, à main, c'est pas bon. On ne te donne pas café qui va faire tourner ton haleine. On te donne champagne, s'il te plaît. Donc c'est normal qu'il y ait autant de bouteilles de champagne. Ça veut dire que les clients venaient. Jusqu'à il dit qu'on veut le naguer à une bouteille de champagne. On te nague comment? Si on offre champagne à nos clients, on n'a qu'à cacher ça parce que toi tu arrives. Et puis on n'était même pas au courant que tu arrivais. Estelle Bowie, sois bénie aussi. On n'était pas au courant de ton arrivée. Si on avait pris rendez-vous pour partir là-bas, tu n'allais pas le trouver la bouteille là-bas. On allait faire le nécessaire pour que tout soit arrangé avant que tu arrives. C'est logique. C'est logique. Si on était informé de ton arrivée pour dire que voilà, on a rendez-vous telle date, hein, je serai là pour l'état des lieux, ils allaient prendre les précautions nécessaires pour ne pas que tu viennes tomber sur ça. Badi. Tu t'es rendu là-bas toi seul pour faire état des lieux, ce qui n'est pas juste déjà. Tu n'as pas le droit d'aller faire un état des lieux d'un endroit où quelqu'un, un occupant vient de sortir. L'état des lieux ne se fait pas seul. Ça se fait avec l'agent immobilier ou avec le propriétaire et l'occupant. Tu aurais dû prendre rendez-vous pour faire cet état des lieux-là. Tu n'allais pas venir trouver la maison aussi dégradée. Mais tu es venu toi, de toi-même pour venir faire l'état des lieux toi seul. Tu es étonné de quoi? C'est parce que quelqu'un n'a pas chié par terre même pour t'attendre. C'est pour ça que tu es en train de bavarder. Quelqu'un devait faire diarrhée comme ça, bré, avec beaucoup de haricots dedans. Verser ça par terre là-bas pour te donner. Quand tu as glissé sur ça pour prendre hall, quand tu allais t'élever, tu allais repartir chez toi pour prendre rendez-vous pour revenir. Tu veux salir l'image de la femme. Ça va se retourner contre toi, papa. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ton problème, chérie. Rien à foutre que tu sois d'accord avec moi. Youssouf Dosso. Baby l'élément, t'as fouillé ta toi là. Que tu sois d'accord avec moi ou pas, qu'est-ce que ça change dans mon pedigree? Sérieusement. Que tu sois d'accord avec moi aujourd'hui ou pas, avec mon chénément. Fouille. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je ne vais pas dire que quand il vient parler là, vous êtes obligé d'être d'accord avec moi sur tout. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi sur tout. Mais moi, je parle selon moi, je ne parle pas selon toi. Si ce que tu estimes que ce que je dis, tu estimes que c'est faux, ben, oublie l'élément. C'est toi qui vois. T'as pris Baoulène de nous, Manou. De nous, Manou. Faut que ce soit clair. Arrêtez d'être dans l'émotion à chaque fois. Vous mettez les organes sans chercher à comprendre. Arrêtez d'être dans l'émotion à chaque fois. Il a fait l'état des lieux unilatéral. C'est ça, Mam Diop. Il allait lui seul pour aller faire l'état des lieux, justement, parce qu'il avait l'intention de venir salir la dame. Sinon, moi, je sais que mon propriétaire arrive pour venir faire l'état des lieux d'un endroit que j'ai occupé là. Vous pensez que je ne vais pas passer là-bas avant lui, vite, pour tout mettre en état sérieux? Vous pensez vraiment que je ne vais pas revenir sur mes pas, venir vider? Peut-être que si j'ai laissé même quelques meubles, je vais venir enlever les meubles là, vite faire jeter. Si je dois passer un coup de serpillère même, ou bien un coup de peinture, vite pour rendre l'état et le coin visitable. Je vais pas venir faire ça avant la date du rendez-vous. Hey,
Tu vois, quand tu déménages d'une maison, là, forcément, tu laisses traîner des choses parce que le déménagement n'est pas facile. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que le déménagement n'est pas facile. Surtout quand tu déménages pour aménager ailleurs. C'est-à-dire que quand tu es en train d'enlever ici, là, pour aller remettre ailleurs, là, ce n'est pas simple. Donc, c'est fatigant. Donc, il peut t'arriver de laisser des choses traîner derrière toi à l'autre côté. Parce que quand tu prends, là, tu ne vas pas jeter. Tu prends pour aller aménager un autre endroit. Hein? Tu prends pour aller aménager un autre endroit. Que dit à ta soeur, là, trop mis tes organes. Ma soeur fait ce qu'elle veut. Ma soeur est responsable de ses propos sur Facebook. Je ne suis pas... voilà. C'est ma petite soeur. On est majeurs vaccinés, nous deux. Voilà. Chacun fait ses lives selon son entendement. Elle fait ses lives. Elle dit ses propos, c'est pour elle. Je fais mes lives, je dis mes propos, c'est pour moi. Voilà. Elle ne va pas venir me demander pourquoi elle défend Emma. Je ne vais pas lui demander aussi pourquoi elle défend le monsieur. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre. Il faut que, voilà. Si tu dois quitter, ton propriétaire doit venir là. Tu vas aller nettoyer le coin avant que ton propriétaire arrive. Tu ne vas pas laisser la maison dans un état dégradé pour que le propriétaire arrive. Personne ne peut être content de ça. Personne ne peut être content de ça. Moi, je me rappelle, je louais une maison. À un moment donné, j'avais tellement arrangé la maison là jolie. J'avais tellement rendu la maison là jolie. Je louais la maison. C'était la maison appartenait à un monsieur et son fils. Et puis, le monsieur, il a confié la maison à une agence. Et puis, moi, je présentais mes dossiers à l'agence. Je voulais la maison. Et puis, mes dossiers ont convaincu l'agence. Et l'agence m'a donné la maison. Alors que le monsieur, il paraît qu'il avait demandé à l'agence de ne pas donner sa maison à des Noirs. Parce que selon lui, les Noirs sont sales. Les Noirs dégradent les maisons des gens. Donc, il avait dit de ne pas donner sa maison à des Noirs. Et moi, j'habitais la maison. Je suis resté dans la maison pendant au moins 3 ans comme ça d'abord. Hein. Et puis, un jour, le monsieur, il n'habite pas en France. Ils étaient en France et puis ils ont déménagé dans un autre pays, je crois, pour travail ou bien je ne sais plus quoi. Il avait fait un prêt à la banque avec son fils et puis ils ont acheté la maison ensemble. Donc, lui, il est venu en France, il a tenu à venir voir sa maison. Il a appelé l'agence pour demander qui occupait la maison. Parce que c'est l'agence qui gérait l'agence. Moi, quand il prélevait sur mon compte, et puis lui, il recevait ses loyers. Qui était dans la maison, il ne savait pas. Mais il avait dit à l'agence que lui, ne voulait pas de noir dedans. Et quand il est arrivé, l'agence lui a dit le nom de celui qui occupait. Il a vu que c'est un nom de noir. Il est venu aussi tôt. Il a demandé à l'agence de me contacter pour voir quand est-ce que je ne travaille pas. Pour qu'il puisse venir visiter sa maison. Et quand il est venu, moi je leur ai donné mon programme, et il est venu, quand il est rentré, mais le monsieur était agréablement surpris. Il m'a demandé si c'est moi qui habite ici vraiment. Je lui ai dit, oui, c'est moi qui habite. Pourquoi? Il dit que lui, il ne croit pas. Je lui ai dit, pourquoi c'est moi qui habite effectivement? Il a pris son portable, il a mis vidéo pour appeler son fils. Pour dire effectivement que tout le monde n'est pas pareil. Il a commencé à montrer la maison en vidéo à son fils. Pour dire, c'est un noir qui habite ici, regarde comment c'est joli. C'était plus joli que chez eux même. Tellement j'avais tapé la maison là. Bien chic, bien décoré, bien propre. Quand il est rentré, mon modèle de senteur, lui, il était assis par terre. Il est venu s'asseoir dans mon canapé tranquille. Il lui a dit que... Il ne croyait pas que c'est un noir qui habitait depuis 3 ans ici. Et puis, il a commencé, les murs sont propres. Il n'y a aucune tache partout. Tout est à sa place. Dans la paix du Seigneur. Il est parti tranquille, dans son esprit serein. Il savait que sa maison était dans de bonnes mains. Voilà. Donc, pour vous dire que un propriétaire, et puis ce propriétaire-là, il avait dit, il dit que lui, il n'était pas au courant de ce qui s'est passé là-bas. Lui, il ne savait pas ce qui s'est passé. Pourtant, il n'y a rien qui a été fait caché. Et dans l'une des vidéos où il a donné des voices, j'ai entendu quoi? Que quand je viens là-bas souvent, par ce propriétaire-là, je vois que l'espace qui est en haut, là, vous ne l'utilisez pas. Moi, j'avais prévu de faire une paillote, ou bien je ne sais plus quoi. Lui, il avait prévu de faire une paillote là-bas. Mais comment? Lui, il sait que l'espace qui est en haut, qui est grand, n'est pas exploité. Il a dit, quand je viens là-bas,
Je me rends compte que l'espace qui est en haut là, vous ne l'exploitez pas, vous ne l'utilisez pas. Si le propriétaire savait qu'il allait avoir gain de cause en justice, il n'allait jamais venir sur Facebook. Ça, c'est clair, Mam Diop. Et il pensait venir nous prendre un sentiment sur Facebook. Il pensait qu'on allait se ruer sur Malouest pour lui donner raison. Jamais, mon frère. Ça ne marche pas comme ça. On a une jugeote, nous tous. On sait analyser des faits et puis comprendre. Quand tu dis que tu n'étais pas au courant de tout ce qui se passait là-bas. Mais comment disait que l'espace qui était en haut là, on n'exploite pas. Il y a trop de contradictions dans tes dits. C'est-à-dire que si on veut décortiquer tout ce que tu as dit en vidéo, et puis tout ce qu'on entend dans les voices là, tu es assis par terre à jamais. Tu es assis par terre, tu ne te relèves plus. Yaka, s'il te plaît, tu as bloqué ma femme. Serge Yao qui dit, Yaka, s'il te plaît, tu as bloqué ma femme. Son nom est Fatou Koulibaly. Et alors, Fatou Koulibaly a fait quoi pour qu'on la bloque? En tout cas, belle question. Kari Keita qui demande, aïe, elle a fait quoi? Nessa Koulibaly qui dit, je l'aime ce monsieur. Ah oui, oui merci Nessa Koulibaly. Elle a fait quoi? Faut bien demander à ta femme ce qu'elle a fait pour qu'on la bloque. Serge Yao, demande à ta femme ce qu'elle a fait. Moi, je ne bloque pas pour rien. Si elle est venue m'insulter ici, elle a bloqué dans la paix du Seigneur. Ça n'a même pas chauffé. Moi, mon option préférée, c'est le blocage. C'est ce blocage des personnes qui ne respectent pas. Si ta femme est venue me manquer de respect sur ma page, elle a bloqué. C'est ma page, c'est moi qui dirige ma page. Personne ne peut me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois poster ou qu'est-ce que je dois dire sur ma page. Il faut bloquer son mari aussi s'il poste. Vous êtes méchant. Il faut bloquer son mari aussi s'il pose une question. En tout cas, si tu viens me répondre la question, ta femme te bloque. For diet menu. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, sérieux? Oh, elle est table à ça. Mon grand frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. T'as dit, mon gars, Asta Jack, de te bloquer aussi. Non, de te bloquer. Vous aimez provoquer les gens. Quand vous bloquez, vous êtes assis par terre. Allez-vous bloquer son mari? Vous allez me tuer. On était bloqué, M. Yao. Donc faites très attention à ce que vous faites, à ce que vous écrivez. Très attention. Parce que le blocage est très rapide par ici. Hein? Hein? Sa femme manque de respect aux gens sur Facebook. On l'a bloqué. Donc, elle envoie son mari maintenant pour venir poser question. N'importe quoi. Merci, Ella, Adji, épouse Tebili. Merci. On dit bloque lui aussi. Divine Kone dit de te bloquer aussi. Merci, Rachel Digbe. Yaka bloque la femme du monsieur. Yaka débloque la femme du monsieur. Un couple qui t'aime. Mais si même là, Yaka pour sa femme m'a fait quoi? Elle m'a fait quoi? Et puis il est bloqué. Il ne l'est pas bloqué pour rien. Il ne l'est pas bloqué pour rien. Merci Rachel Irie. Il y a une qui dit quoi? Yaka, il faut dire à Emma d'apprendre à aimer les biens des autres. Adna Arlas, de dire à Emma d'apprendre à aimer les biens des autres. Bon, Emma n'aime pas les biens des autres. Elle leur donne 13 millions pour occuper leurs biens. Elle change les carreaux pour rendre le bien et pour mettre le bien au goût du jour. Pour actualiser le bien. Elle dépense des millions. Parce que pour changer des carreaux d'une maison aussi grande, c'est des millions. Ce n'est pas 100 000, 200 000. On est d'accord. Elle change les plafonds pour mettre au goût du jour. Elle fait mettre des portes en vitre pour rendre la maison belle, agréable et pour que ses clients s'y sentent bien. Et tu me dis de lui dire d'aimer les biens des autres. Tu as un mauvais fond, ma chère. Tu as de mauvaise foi.
Voilà une qui dit Alicia Gracia Bomba Yaka en tant qu'un intellectuel pour établir un hammam ou un sauna ou un spa. Il faut un matériel approprié pour protéger les murs. La maison en question n'était pas faite pour. Effectivement, mais ça, c'était au propriétaire de le dire à Emma. Parce que moi, je suis propriétaire de ma maison. Tu dis que tu veux louer ma maison. Moi, ma maison, je l'ai construite pour qu'une famille habite. Je ne l'ai pas construite pour que quelqu'un en fasse un sauna ou bien un hammam ou bien, comme tu peux le dire, un spa. Quelqu'un qui vient louer ma maison, il va me dire ce qu'il veut en faire. Et ma loi ne s'est pas levée pour décider de transformer la maison en spa sans le consentement du monsieur. On est d'accord. Donc, si la maison a été transformée en spa, c'est parce que le monsieur est consentant. Et s'il est consentant, ça veut dire que la maison est transformable en spa. C'était à lui de dire à Emma, non, cette maison-là n'est pas équipée pour être transformée en spa. Donc, désolé, ma fille ou bien ma petite, il faut trouver une autre maison pour faire ton business. Celle-là ne peut pas être transformée en spa parce qu'elle n'a pas, comment on appelle ça, ce qu'il faut. Elle n'a pas les options qu'il faut pour gérer ça. C'est simple. Mais quand il a vu 1 300 000 à la fin du mois, là, il ne pouvait pas laisser passer ça. C'est ça, la marmaille. Il y a un qui dit sa femme a mis tête de mort par erreur, donc il ne faut pas la bloquer. Ah, si elle a mis par erreur, elle n'a qu'à enlever aussi par erreur. Parce que sinon, si je tombe dessus, elle sera bloquée dans la paix du Seigneur. Parce que entre la tête de mort et le cœur, il y a un espace de 3 doigts. C'est-à-dire que quand on colle 3 doigts comme ça, là, il y a l'espace de 3 doigts entre le cœur et la tête de mort. Ils ont fait exprès même pour mettre ça au loin là-bas, pour ne même pas qu'on se trompe. C'est-à-dire que celui qui s'en va tuer là-bas, c'est qu'il a fait exprès. C'est qu'il a envie de mettre tête de mort. Donc, faisons qu'elle a mis par erreur. Là. Elle a qu'à l'enlever par erreur. Parce que quand elle finit, elle regarde la tête de, le cœur, la tête de mort et tout ça. Là. Si c'est elle qui a mis tête de mort, que ce soit fait par erreur ou pas, moi, je ne cherche plus à comprendre. C'est bloqué dans la paix du Seigneur. Voyez, c'est à cause de vous que nos pages sont toujours rouges. On vous dit ça, tu vous fais comme si vous n'entendez pas. À cause de vous qu'on fait direct là, les vues ne montent pas. Pendant qu'il y a du monde, les gens partagent. Mais on voit très peu de vues. Parce que la page est au rouge. Nos vues sont, comme on appelle ça, nos audiences sont réduites. Parce que vous mettez les têtes de mort. C'est les têtes de mort qui créent tout ça. Facebook tient compte de tout ça. C'est pour ça que quelqu'un qui s'est trompé, là, c'est que la personne ne veut pas ton bonheur. Du coup, tu bloques dans la paix du Seigneur et puis tu avances. La Bible même a dit, ton bras droit ou bien ton bras gauche qui est là, si ça te permet, si ça ne veut pas te... ça ne veut pas t'aider à avancer là. Et bien, écoute, cacaboy. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, dis à ta femme, si elle a mis tête de mort par erreur, elle n'a qu'à l'enlever. Par erreur, là. C'est mieux pour elle. Sinon, elle sera bloquée. Tous les maris sont en train de plaider pour leurs femmes. Les maris même sont devenus plus cocottes que les femmes maintenant. Les maris, là. Ils sont plus graves que les femmes. Je t'envoie beaux de cœurs depuis la Centrafrique. Merci Wally Sango. Voilà une qui sait que les cœurs sont là. Elle préfère m'envoyer les cœurs que les têtes de mort. Quelle idée d'erreur. Elle a été bloquée par erreur aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Larissa, elle sera bloquée par erreur. C'est comme ça. Je pense que le monsieur avait des vues sur Emma. Et comme il a vu qu'il n'a pas eu gain de cause, il est devenu aigri. Donc il s'acharne sur la pauvre dame. Il veut bloquer sa caution. Il veut lui faire la misère. Mais misère te sera retournée, papa. Il faut croire que nous, on va se mettre derrière toi pour combattre la jeune dame. Tu as tiré dans l'eau et tu as tiré à terre. Dans la paix du Seigneur. Dans les Bachari. J'ai cherché à manger parce que maintenant je ne mange plus après il est déjà 21h passé même. Je voulais dire je ne mange plus après 20h maintenant. Là, c'est raté. Voilà, je ne mange plus après 21h. Voilà, comme j'avais beaucoup grossi à un moment donné, ça fait que j'avais des problèmes de genoux. J'avais très mal aux genoux. J'avais mal aussi parce que je suis très cambré.
Oui, j'ai un gros creux dans mon dos ici. C'est-à-dire que mon dos est en S comme ça. C'est-à-dire que je suis beaucoup cambré. Donc, ça fait que quand tu grossis là, ça te fait très mal dans ta colonne vertébrale. Ça t'arrange pas. Donc, il y a une dame qui est à Londres qui vend des gélules pour maigrir. Elle m'a dit, commence avec une boîte de gélules. Ça s'appelle Siliminger ou bien Siliminger. Ça est ici. J'ai commencé à prendre ça avant de quitter Abidjan. Parce qu'elle est quittée à Londres, elle m'a trouvé Abidjan là-bas avec. Je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui là, j'ai perdu 4 kilos depuis que j'ai commencé à prendre Siliminger. Oui, j'ai perdu 4 kilos. Maintenant, mes genoux ne me font plus mal. Je suis plus léger. J'avais beaucoup grossi, c'est pas si vous avez remarqué. Maintenant, là, mon visage s'est un peu affiné. Mes épaules sont un peu devenues petites. Ma poitrine même était devenue, on dirait, chose, devant des bus. Donc, ça ne m'arrangeait pas. Non, 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 non. Parce que pour être chic et élégant, dans des costumes très chics, puisque, hein, pour animer mon émission sur le plateau de Je reconnais mon tort, je dois être très élégant, très chic dans mes sapes. Pour ça, être gros, ça m'arrange pas. Tu peux porter ta veste et puis le bouton là est suspendu comme ça, on dirait les vestes du président Harry Konabeti. Je refuse d'être en veste costume et puis ventre devant, par terre, on dirait tu vas accoucher dans 3 semaines. Ça ne me convient pas. Les gens qui se laissent grossir et gros ventre comme ça, là, on n'a pas les mêmes ambitions. Nous n'avons pas les mêmes ambitions. Donc, Dieu sur le peuple de Gensenli, bonsoir. Voilà des vieux, vieux comme ça. Ils disent qu'ils sont mes petits frères. Ils m'appellent grand frère. J'ai vu tout à l'heure la Johnny Pacheco avec Marcos qui est en train de discuter sur leur âge. Johnny Pacheco dit que lui, il a 39 ans. Marcos dit que lui, il a 44 ans. Marcos dit que lui ne peut pas être grand frère de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco dit que lui, là, que lui, il a 39 ans, que ça ne bouge pas. Donc, vous ne voulez pas vieillir. C'est nous que vous voulez vieillir. Moi-même, je vais aller mettre tronçonneuse dans mon âge désormais. Ah oui. On aura tous 27 ans sur la toile ici. Hein? Johnny Pacheco dit que lui, il a 39 ans. Jean, moi ici, yaka yaka, moi je suis plus vieux que Johnny Pacheco. Non. Moi, yaka yaka, je suis plus vieux que Johnny Pacheco. Makoso dit que lui, il a 44 ans. Ok, ça peut passer. Voilà Jesse le pape. Jesse m'appelle grand frère. Jesse dit que moi je suis plus vieux que lui. Ils sont vieux, vieux sur Facebook, ils ne veulent pas vieillir. Moi, je m'en vais à Abidjan la prochaine fois là. Je vais mettre ma chatte dans mon âge. Leslie, la plus sexy de la diaspora. Tu as essayé de m'appeler tout à l'heure, elle t'a rappelé, tu ne réponds plus. Je vais même mettre. C'est-à-dire que je vais même mettre, je ne sais pas quoi dans mon âge. Quand il revient comme ça, il y a 27 ans. Celui qui veut, celui qui veut pas, il n'a qu'à laisser. Rien à foutre. Parce que vous, Johnny Pacheco, il regarde Johnny Pacheco et Marcos sont en train de discuter. Johnny Pacheco dit qu'il a 39 ans, il était assis par terre. Il y a Johnny Pacheco qui dit que moi, je suis plus vieux que lui. Il se fout de moi ou bien. C'est quoi le nom des gélules là? Ça s'appelle Siliminger. Attendez, je vais vous montrer. Ah ça. Ça s'appelle Siliminger. Vous avez vu la femme là qui est balèze là, non? Elle devient mince comme ça. Tu prends un comprimé tous les jours, une gélule tous les jours. Et je peux vous assurer, ça m'a fait perdre 4 kilos. Je suis en train de perdre mon cinquième kilo là, dans la paix du Seigneur. C'est-à-dire que quand tu prends ça, c'est comme si tu as mis, c'est comme si tu as mis les anneaux là. Les anneaux que les gens mettent, comment ça s'appelle là même là? Les gens qui savent mettre les anneaux dans leur intestin pour rétrécir leur intestin là. C'est-à-dire que tu n'as pas faim. Ça donne beaucoup soif par contre. Quand tu prends ça, tu as juste envie de boire de l'eau seulement. Entendre de l'eau, c'est très bon déjà pour les reins. Ça nettoie tes reins. Je t'ai envoyé d'avoir barbe blanche. Mon frère, barbe blanche, là, c'est une bénédiction. Moi, j'aime tellement barbe blanche. Quand ta barbe est grisonnante comme ça, c'est-à-dire que elle poivre sel, là, ça rend charismatique et j'aime ça. Tu vois, comme j'aime être élégant, donc ça me rend charismatique. J'aime beaucoup ça. Hein? Voilà aussi un autre. Bob Lee, paix à son âme. Il avait 52 ans. Il nous disait qu'il avait 40, 40, 43 ans sur Facebook. Ils sont vieux, vieux comme ça, ils ne veulent pas vieillir. Hein? Nous-mêmes là, nous-mêmes, c'est-à-dire que je n'irai pas à Abidjan, non. Je n'irai pas pour l'émission.
Je reviens, j'ai 27 ans dans la paix du Seigneur. Donc voilà, ça s'appelle Silly Minger. J'ai commencé une seule boîte, je n'ai même pas encore fini. J'ai perdu déjà presque 5 kilos. Et je me sens à l'aise même dans mon corps. C'est quand tu grossis, tout cela, c'est ça qui envoie les tensions, les diabètes, c'est-à-dire que des malaises, n'importe comment. Il a commencé ça, elle est venue, elle était à Londres, elle est venue, on s'est trouvé à Abidjan. Elle m'a donné, j'ai commencé à prendre Abidjan. Tous les matins, quand tu prends ton petit déjeuner, tu prends en même temps. Tu n'as plus faim toute la journée quand le soir, même souvent, tu oublies de manger. Tu bois beaucoup d'eau, parce que ça te donne beaucoup. Quand tu prends, en tout cas, va voir ta bouteille d'eau. Parce que tu auras soif. De l'eau, c'est déjà très bien, ça élimine beaucoup de choses dans le corps. Hein? Comment on l'écrit? Comment on l'écrit? Silly Minger, là, c'est S-L-I-M-M-I-N-G. S-L-I-M-M-I-N-G. Anyway, S-L-I, c'est écrit en petit ici, là, je ne sais pas si vous pouvez voir. Silly Minger, là. C'est écrit en petit, là, je ne sais pas si vous voyez. 30 capsules. C'est-à-dire que ça, la boîte, là, te fait un mois. Tu prends un comprimé par jour. Franchement, je suis très content. Et je pense que c'est Silly Minger, c'est ça, voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas s'il y a écrit girl. Hein. Toi, tu as écrit girl dessus. C'est pas girl qui accompagne. C'est D-E-E-R. D-E-E-R. Il y a Silly Minger simple comme ça. Et puis, il y a Silly Minger plus. C'est-à-dire que les gélules qui sont plus grosses que celles qu'il y a ici. Là. Il y a ça et puis il y a Silly Minger plus. C'est-à-dire que toi qui as envie de maigrir, toi qui as beaucoup de graisse, qui as beaucoup de gras, tu as envie de maigrir plus vite. Tu prends l'autre qui est plus fort que celui-là. Moi, j'ai pris normal là parce que comme je ne connaissais pas, je n'avais pas envie d'être vadi quelque part là-bas à cause de ça. J'ai préféré prendre ça là d'abord pour commencer. Et vraiment, j'en suis très, très, très content. Ça m'a aidé à maigrir. Je rentre très bien maintenant dans mes jolis costumes. J'ai payé. Je me suis acheté plein de jolis habits pour aller faire mon émission. Et puis au moment où l'émission arrive maintenant, quand je mets bras dans une veste, je ne peux pas soulever mon bras. En ta émission, tu peux pas animer une émission sans faire des gestes, sans parler, sans faire des gestes. Le ventre doit être bien plat. Les roudoudous doivent descendre dans la paix du Seigneur. Tout doit être proportionnel dans la paix du Seigneur. Silly Minger, là, ça m'a aidé. Faut pas y mentir. Je ne sais pas si ça peut aller à tout le monde. Hein. Je ne suis pas en train de vous montrer ça pour que, moi, en tout cas, ça, là, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à perdre du poids. Je faisais un régime, ça ne marchait pas. Souvent, il me lève le matin quand le soir, il ne mange pas. Mais on dirait que c'est maintenant même que je grossis, ouais, je ne sais pas. Hein? Où on peut la voir? Je vais vous donner son numéro. Je vais vous mettre son numéro tout à l'heure là. Je vais mettre une photo du truc avec son numéro pour entrer en contact avec elle. Moi, ça m'a aidé. Hein? Je dis moi-même, je vais prendre ça en tant que cobaye. Je vais voir ce que ça fait. Si ça me va. Je vais proposer ça aussi à mes quatre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là qui ont envie de maigrir et qui ne trouvent pas la solution. Donc voilà. Silly Minger. Depuis que j'ai commencé à prendre Abidjan et tous les jours je prends une gélule, une capsule tous les jours. Quand je mange le matin, je n'ai plus faim. Je suis là, je reste toute la journée, je bois beaucoup d'eau par contre, je bois de l'eau, mais je n'ai pas faim. Mon estomac est devenu petit, même que quand je mange un petit truc seulement, je suis rassasié. Bonsoir Anna Kwaku. Quand je mange un petit truc seulement, je suis rassasié. Oui, après 40 ans, ça devient difficile de perdre du poids, effectivement, je l'ai constaté. J'avais du mal à maigrir. J'avais du mal, en tant que je grossis, mes genoux me font très mal. Mes genoux me font mal parce que comme je m'assois pour conduire le bus pendant 8 à 9 heures souvent par jour, ça fait que quand tu veux te lever comme ça, là, faut damer. En tout cas, on est intéressé, hoha. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais mettre son lien et tout ça. Il y a quelqu'un qui a mis un lien. Ah, je vois le lien. Je vois des liens où c'est vendu, hein. Ah, je vois des liens dans les commentaires ici, là. Donc, tapez dessus. Peut-être que vous pourrez commander directement en ligne. Je ne sais pas si c'est elle qui vend en ligne ou si c'est quoi. Voilà. Oui, ça fragilise les articulations. Tu es là, tu deviens lourd. Tout t'énerve même.
Tes amis, même si tu essaies, tu es obligé de porter des boxeurs en mode cycliste, c'est-à-dire que des boxeurs longs pour ne pas que tes cuisses se frottent. Parce que quand le frottement des cuisses, là, ça irrite entre tes jambes, ça te brûle, tu n'es pas à l'aise. C'est fatigant. C'est fatigant. Donc, vraiment, maigrir est mieux. Moi, j'ai commencé à maigrir dans la paix du Seigneur. Voilà, Siliminger. Ça me va très, 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 très bien. Très bien, même. Je prends un tous les jours. Je suis à l'aise. Donc, voilà. Tracy Mass, elle dit laisse tomber. AliExpress. C'est sur AliExpress, on vend. C'est pas sur AliExpress. Moi, elle a quitté ça à Londres. Hein. Je ne sais pas si on vend ça sur AliExpress. Je n'ai pas payé sur AliExpress. Ne venez pas écrire AliExpress ici. Les gens vont aller payer quelque chose sur AliExpress qui n'a rien à voir avec ça là. Celle qui m'a vendu là, je ne sais pas où elle a acheté. Je ne sais pas si c'est sur AliExpress, mais elle a quitté avec ça à Londres. Elle a quitté avec ça en Angleterre. Je n'ai pas payé sur AliExpress. Comment je m'en retiens? Ne faites pas la haka, va dire que je suis en train de donner des trucs aux gens qui vont les rendre malades. Je n'ai pas payé sur AliExpress. Celle qui m'a vendu là, elle quitte avec ça en Angleterre. Celui qui s'en paye sur AliExpress, là, je ne suis pas témoin. Si on vend sur AliExpress, ce n'est pas là-bas qu'il est payé. Je suis une Kokwakiare camerounaise. Je suis j'aime beaucoup comment tu as écrit Kokwakiare là. Attends, je vais épingler. Allez, je suis une Kokwakiare camerounaise. Je suis intéressé, s'il vous plaît. Je n'ai pas payé sur AliExpress des. AliExpress, là, mais je ne sais même pas comment on va dessus. Je n'ai jamais rien commandé sur AliExpress. Elle est quittée avec ça à Londres. Je vais vous mettre son numéro. Faut pas la haka va venir me dire que oui, je veux rendre les gens malades. Je ne veux rendre personne malade. Parce que grossir la même, c'est ça qui rend malade. Ça donne diabète, ça donne tension, ça donne tout ce qui va te mettre mal à l'aise. Big man, faut pas maigrir, pardon. Ta forme actuelle me séduit comme ça. Soit, mais Laurette Chagba, ma forme, si t'as te séduit, c'est bien, mais moi, je suis pas à l'aise dedans. On fait comment? Peut-être que ma forme peut te séduire, mais moi, je ne suis pas à l'aise du tout. Moi, je suis malade avec cette forme. J'ai envie de maigrir. Kokwakiare, je t'ai dit. Faudrait aller écrire Kokwakiare, là, ça me plaît trop. C'est pour ça qu'il est épinglé, là. Jésus. Quand je suis une Kokwakiare. Hein? Jésus, même temps, tu dois prendre ça parce que tu as un très gros ventre. Quand on bas, on dirait mamite de sorcellerie. Mamite dans lequel les sorciers préparent là, la nuit pour manger avant le lever du jour. C'est même chose comme ça, ventre de Jesse A. Donc toi-même, là, tu dois prendre ça là, 3 par jour pour casser ce gros ventre de gougnon là, que tu te trimbales tous les jours. Là. Hein, Jesse? Tu dois prendre ça. Il faut que Dieu appelle ta femme pour lui dire que tu ne peux pas dormir avec quelqu'un qui est ventru comme ça dans ta maison. Parce que quelqu'un qui a gros ventre comme ça, là, forcément, il respire très mal. Forcément, il ronfle la nuit. Forcément, il prend de la place. C'est comme si vous étiez 3 dans le lit. Ce n'est pas normal. Je vais l'appeler tout à l'heure à ma belle-sœur. Je lui dis, écoute ma chérie. Voilà, Sili Mingue, achète ça pour ton ventripotent qui te promène dans ta maison là-bas. Il n'a qu'à prendre ça tous les jours. Ça va casser son bide. Au moins, tu seras à l'aise dans ton lit, dans la paix du Seigneur. Badi. Quand tu commences, c'est bien, mais quand tu arrêtes, tu manges plus que Dieu nous donne moyen de continuer. Ah ouais, quand tu arrêtes, tu manges plus. Parce qu'il faut avoir l'argent pour manger, parce que c'est pas tout le monde qui gagne à manger tous les jours. C'est-à-dire que celui qui vient commencer là, il n'a qu'à s'assurer pour avoir l'argent pour manger après. Hein, parce que comment je m'en retiens là? Moi, je sais que moi, franchement, je n'aurais plus envie de manger. Je n'ai même plus envie de manger. Je suis fatigué. Parce que manger même la même. Maintenant, là même, quand il finit de manger même. Enfin, je n'arrive même plus à manger ce que je veux. Parce que j'ai envie de grignoter un petit truc. Une fois que je prends un petit truc, je suis rassasié.
Une fois, je goûte un petit truc, je suis rassasié. Et ça, j'aime ça. Ça veut dire que mon estomac est bien rétréci maintenant. C'est mieux. Yaka, faut bien montrer, s'il te plaît. Voilà ça. Démontrer comment. Voilà ça. Aïnye. Je ne sais pas si vous voyez. La dame est grosse au début, mais après elle devient fine. Elle devient mince comme ça. Voilà. La dame m'avait parlé de ça il y a longtemps. Hein. Elle m'avait parlé de ça. J'étais en France ici. Elle m'a appelé plusieurs fois. Elle m'a écrit en inbox, mais je n'avais pas confiance en son truc. Il dit, écoute, ma chérie, je ne te connais pas. Je n'ai pas envie de prendre un comprimé qui, je ne sais pas d'où c'est venu. Je ne sais pas qui a fabriqué. C'est nos parents qui faisaient ça avant. C'est pour ça que, je ne sais pas si c'est ça qui les a vite tués. Mais nos parents payaient n'importe quel comprimé pour avaler. Ils avalaient, puis ils mettaient ça en groupe dans leurs mains. Et ils avalent ça comme du riz. Hein? Les Mousgroni Bribla, les Dafroubani, les Tupai rouge, les Amambi, les Mousgroni à ballon temps, elles associent tout ça et puis elles avalent ça comme riz. Donc, il y a moi, les trucs comme ça, j'ai très peur de ça. La dame m'a dit, fais-moi confiance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis dedans comme médicament. Il ne faut pas y venir avaler poison et me coucher pour mourir. Je ne peux pas. Il ne faut pas y venir avaler poison et me coucher pour mourir. Je ne te connais pas. Donc, quand elle est venue à Abidjan, là, effectivement, ton visage est dégonflé. Merci. Awa Sawadogo. Moi-même, j'ai remarqué ça. Mon visage s'est affiné. Moi-même, quand il me rentre dans la douche, je vois que mon visage s'est bien affiné. Par exemple, je regarde dans le miroir de la douche, je vois que mon visage a bien. C'est bien affiné. C'est devenu. Mon menton est devenu un peu pointu. Sinon, ta joue était sur moi comme ça. Ça me plaisait pas. Moi-même, je vais bien prendre ça pour maigrir. Pour bien te séduire. Mireille Agbagla. C'est qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de femmes qui veulent me séduire ici. Les... Donc, quand on s'est croisé à Abidjan dernièrement, elle est venue. Elle-même, quand elle est venue avec ça, là, j'ai ouvert. Parce que quand ça vient, c'est fermé complètement. C'est fermé, même bien scellé. Là. J'ai décellé ça. J'ai yougou, et puis elle lui a donné un à avaler elle-même. Elle a avalé elle-même. Parce qu'elle-même, elle prend aussi pour maigrir. Elle a avalé un là elle-même. Il dit, ah, d'accord. Maintenant, moi aussi, je peux essayer maintenant. Et là, j'ai pris. Mais le premier jour que j'ai pris là, non. Il me demandait ce que j'avais. Parce que je n'avais, ça veut dire que ça m'a coupé ma faim. Péou! J'ai passé la journée. Je n'ai bu que de l'eau. En fait, c'est-à-dire que je ne mange pas. Je bois de l'eau et puis j'ai l'impression d'être rassasié. J'avais une sensation d'être rassasié, comme si j'avais mangé quelque chose alors que je n'avais rien mangé. J'ai pris deux. Troisième jour même, j'ai commencé à sentir le dégonflement de mon visage. J'ai dit, on dirait que le truc de la femme là est très bon. C'est hermétiquement fermé, c'est ça même. Anne positivité, c'est ça. C'est le mot même que je cherchais. Voilà. Donc, c'était bien hermétiquement fermé, comme tu dis. Et puis, j'ai yougou ça pour lui donner. Elle n'a qu'à prendre un d'abord. Et ces poisons, on a mis dans les gélules. En tout cas, moi, j'ai fait son funérail. Alors, je vais vous mettre tous les coordonnées. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre tous les coordonnées. Comme ça, vous allez entrer en contact avec elle. Elle-même va vous vendre. C'est-à-dire qu'elle expédie partout. Elle expédie partout. Voilà. Elle expédie partout. C'est où on s'en procure, mon amour. Hé, hey, ma soeur Oléance Traoré, toi, tu es trop belle comme tu es là. Pardon, faut pas maigrir, ça, Marie. Hey, si tu maigris, ta jolie forme là va partir. Hein. Tu as une trop belle forme, ma chérie. Reste comme ça, ça, Marie. Toi, je te déconseille. En plus, ce que vous ne savez pas, c'est que ça nettoie le teint aussi. Hein. Parce que depuis que je prends ça, là, j'ai remarqué que mon teint est devenu marron, placard, façon là. Moi, je ne comprends pas. Je lui ai demandé, j'ai dit, mais le truc là, on dirait que c'est en train de me cirer le teint. Il dit, oui, effectivement. Ça te scie ton teint d'une de ces manières. Moi, je suis assis par terre. Quand il regarde mes bras ont changé. Mes bras sont devenus chocolatés, façon comme ça. Allez chercher sur Google. Je n'ai pas payé sur Google. Hein. Je n'ai pas payé sur Google. Je tiens à préciser. Et je ne vous conseille pas d'aller payer sur Google. Non, mais c'est vrai, Oléance, tu as une trop belle forme, tu es maigri. Si tu maigris, à tes nanias. Non, il faut rester comme tu es, Sabari. Yaka est comme le bon vin. Le vin, il se bonifie
Avec le temps, exactly. Oui, ça a ciré mon teint. Mon teint est devenu marron placard. Et c'est pas pour moi. Oh. Ah, d'accord, c'est pas pour toi, c'est bon. Il est fou, tu n'as pas besoin de maigrir. Tu n'as pas du tout besoin de maigrir. Non. Elle dit oui, c'est vrai. Ah, tu as expérimenté et puis tu dis c'est vrai. Ah, Béatrice Nda Aya dit c'est vrai. Je ne sais pas si tu connais tu connais le produit. Pareil, peut-être qu'il y en a qui connaissaient, forcément. Cirage de taille et cirage de teint. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a déjà une heure de direct. Non, déjà une heure de direct. Du temps plus. Ok, bon, on se laisse là, c'est bon. Hein? On se laisse. Je vais vous mettre les informations de la dame qui vend. Et puis, ceux qui sont intéressés, vous rentrez en contact avec elle. Voilà. Bébé Dano, merci beaucoup. Gros bisous à tout le monde. Merci d'avoir mis des cœurs pour sécuriser le direct. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi jusque-là. Et puis, allez-y dire à ce monsieur-là que moi, il dit qu'il n'a pas raison. Il n'a qu'à foutre la paix à Emma Louès. S'il a des problèmes existentiels, c'est-à-dire que s'il a des problèmes de dragage, qu'il a tapé poteau, c'est son problème. C'est pas partout on a gain de cause. C'est pas partout on gagne. Voilà. Il n'a qu'à aller au tribunal. C'est là-bas on règle les problèmes, les litiges de maison et consorts. C'est pas sur Facebook. Donc, il nous emmerde. Il nous ennuie. Avec ses enfantillages obstinés. C'était moi. Bonne soirée.